Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track D, un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas parler d'un mode, mais bien d'une voiture bonus, un petit peu comme ce que nous avions fait avec la Mercedes AMG GT3 dans Project Car. Cette fois-ci, nous partons sur Race Room Racing Experience avec la première voiture du championnat DTM 2016 mise à disposition des joueurs, la Mercedes C63 AMG de Paul Di Resta qui court cette saison en DTM. Cette voiture n'est pas disponible en mode course ou en mode time trial, uniquement lors d'un événement multijoueur. Et son comportement est assez intéressant puisqu'il varie encore de ce que proposaient les saisons 2013, 2014 et 2015 de DTM, parce que la voiture est encore plus légère, encore plus affinée, et elle est vraiment très agréable à piloter. Pas ici de DRS, malheureusement, on ne peut pas qualifier la performance et l'influence du DRS sur le comportement de la voiture, mais néanmoins, on peut la tester pour l'instant sur la piste d'Hockenheim. À l'heure où je tourne cette vidéo, on pourra la tester plus tard sur la piste de Spielberg et bien d'autres événements. Donc, à vous de vous rendre sur Race Room Racing Experience et de tenter l'expérience de rentrer dans le chrono, puisque il y a un petit concours où les 4 meilleurs pilotes masculins et féminins seront invités à une finale, donc c'est plutôt sympa. Je voulais simplement vous présenter cette voiture, pas d'avis supplémentaire à évoquer, simplement le plaisir de voir tourner cette voiture et surtout de l'entendre, et pour cela il ne me reste qu'à vous conseiller de monter le son.